li signé dans Real c'est pour jouer. Li pas signé dans Real pour la chita sous banc. Et l'ogat statue Luka Modric ou propre son nan Menega. Menega c'est champion et la champion Ligue des Champions plusieurs fois en étant important dans le 11 initial de l'équipe. Menega ballon d'or et Menega fini meilleur joueur Coupe du monde déjà, c'est vrai Ligue 38 ans, mais la bail football toujours. Ou obligé ballon titan de jeu. Toni Kroos c'est même ego. Toni Kroos pas ballon d'or, mais soit font Almaï de tous les temps Toni Kroos a la donne. Et Toni Kroos a prêté comme légende Real Madrid. Parce que Toni Kroos vient saison 2014-2015. Chaque l'aime dit ça moun fâché. Toni Kroos vient pour le remplacer Di Maria dans l'équipe Real Madrid. Parce que Di Maria n'a pas de jouer attaquant de couloir. Di Maria c'était axe gauche qui était jouer. Pas oublier, c'était période BBC. Ok? Modric à droite, Di Maria à gauche. Et puis devant défenseur, tu as Xabi Alonso. Devant t'es un BBC à Cristiano à gauche et Gareth Bale à droite et puis Benzema en pointe. 4 derrière nous connaissons déjà Marcelo à gauche, Cavani à droite, Pepe avec Ramos dans défense là et puis dans camp t'es un Casillas. Casillas ou bien Diego Lopez. C'est 11 Real là ça. OK? Donc Kedira t'es dans mi-temps terrain, Kedira t'es passé plusieurs temps blessé dans l'équipe ça. Donc les Toni Kroos vini, Toni Kroos c'est dans place Di Maria vient jouer. Xabi Alonso qui est-ce qui va remplacer Xabi Alonso? Et c'est Casemiro qui était sous banc à l'époque parce que Casemiro en pile monde pas comme ça, Casemiro champion en 2014 dans Real Madrid. Casemiro champion Ligue des Champions en 2014. Donc Toni Kroos et Modric et ou gain deux jeunes. Kama, ou gain trois jeunes, ou gain quatre jeunes qui gantan installé. Kamavinga à gauche, Valverde à droite, Tchouameni devant défense là. Parfois le compte by côté mais comme arrière central et puis Jude Bellingham comme milieu offensif axial. Kounya là, nèg sa yo c'est des mangeurs de minutes que yo. C'est pas des nèg que ou ka retirer dans match facile. Vin jwenn ou gen deux réservistes qui c'est deux anciens piliers équipe Real là qui fait non yo dans Real. C'est Modric avec Toni Kroos, il n'y a pas de place pour Arda Güler. Et Ancelotti bral gagner pour gérer un lot ego encore. Bah ça va le mauvais l'autre année. Et deux ego même. Jusqu'à trois. Bon me dit deux jusqu'à trois. Hendrick qui va venir dans l'équipe là. Faut Hendrick jouer. Rodrigo qui passe ses statuts de super sub n'est qu'à monter dans mi-temps match dans fin match. Poil pour ton plus, il passe statut ça déjà, il vient titulaire et avec l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est de, justement nous tout changer le sujet, nous tout faire transition. Hein. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, Rodrigo obligé à souvent ou bien si monsieur a joué avec Rodrigo comme attaquant de couloir droit, monsieur met Vinicius à gauche, Mbappé en pointe, ou obligé à retirer au milieu de terrain. C'est qui milieu de terrain ou pas baïba. Vous comprenez? Donc, ego Kylian Mbappé dans l'équipe là. Ego Rodrigo, ça fait deux. Ego Hendrick qui a venu comme une superstar montante. Parce que Hendrick, son jeune, avec un fort talent, avec un fort potentiel. Il est beaucoup prouvé en Europe, mais Hendrick, c'est superstar lié au Brésil. Généralement, il n'y a pas pris un banc en Europe. Songez Romario. Songez Ronaldo R9 et li quitte la caillou tout superstar pas de prendre ban. Songez et Denilson quitte Brésil, li rive en Espagne en Betis de Séville, li pas de compte prendre ban. Donc généralement les nèg éclaté dans pays en Argentine au Brésil, leur rive dans club que rive a, généralement ou pas prendre ban. Ou bien ban yo prend son ban pour apprendre, yo font apprentissage. Un temps d'adaptation, merci Ted. Ça veut dire que nèg sa yo pas prend ban facilement. Kounya la ki Jean Ancelotti pour balancer équipe là parce que Mbappé li commencer faire des concessions et sacré Real Madrid là. C'est sacré le Real là. Même on nèg pas l'équipe ça mal, on pas comprendre. Real Madrid fait Mbappé connaître ses pointes la pied. Pas gen bagaille vin dans équipe là, vle jouer à gauche. De Mbappé son caprice de superstar. Le Mbappé tap champion du monde, côté le tap joué, c'est à droite ou le tap joué dans la France. Mbappé à droite,
dans axe là t'ai gagné et Griezmann, à gauche t'ai gagné Matuidi, deux demi défensifs yo c'était Paul Pogba avec N'Golo Kanté, en pointe t'ai gagné Giroud. Deux arrière latéraux qui est c'était Pavard à droite, Lucas Hernandez à gauche et puis Varane et puis Umtiti. Dans quand t'ai gagné Hugo Lloris, mais 11 la France en 2018 oui. C'est à droite Mbappé t'ai son seul l'heure, tout le monde levé au matin, Mbappé voulait jouer à gauche, Mbappé si, Mbappé ça, il faut faire équipe là en Jean pour Mbappé jouer à gauche. Et alors que Neymar, c'est à gauche qui était joué. Real Madrid dit ou même, m'a pas acheté, m'a pris, ou a joué attaquant de pointe. Par contre, si nous, peut-être, par contre, bon, c'est ma bon pile travail. Soit dans la vidéo passée, ou absolument je me dis que Mbappé est capable de jouer avec Vinicius. L'arrivée d'Mbappé n'a pas aucun incidence sur le poste de Vinicius à jouer. Bien au contraire, les deux Vinicius. Ce soir, au fond 4-3-1-2, Mbappé et Vinicius comme deux attaquants. Ou bien au fond 4-2-3-1, Vinicius à pas gauche. À droite, ou bien Rodrigo, ou bien Valverde. Sous besoin équilibre, vous avez Valverde à droite. Vous avez Toni Kroos avec Kamavinga comme deux demi-défensifs. Et puis vous avez Jude Bellingham dans dos Kylian Mbappé. Bien au contraire, arrivé Mbappé, la paix de Vinicius quelque part. En termes de positionnement sur le plan tactique, impact l'abgain sous Vinicius, c'est sous rayonnement, superstar, patati patata, si Real font bagaille. Et que Mbappé t'a fini meilleur buteur, c'est lui qui Real Boal mettait devant dans le classement Ballon d'Or, c'est cela. C'est là que Vinicius a payé les frais. Mais Mbappé n'a pas empêché Vinicius de jouer. Non. Le monde qui a payé les frais, c'est Rodrigo. Quand il y a là, entre Rodrigo avec Hendrick, et petit petit à Dragouleur, parce que monsieur compte jouer boule. Et monsieur tellement de caractère, il y a environ 5 équipes qui checkent Real. Pour prêter Arda Güler, monsieur dit non, c'est dans Real pour l'imposer. Donc Ancelotti va gagner ça comme devoir pour lui comment dirais-je, pour lui gérer ego tout nèg sa yo en dans équipe Real Madrid là. Mbappé négocier poste li avec Real ou bien Real Madrid imposer nos poste, c'est le poste d'attaquant de pointe. Et moi deux numéros yo, Mbappé a porté 210. Et le numéro 9, la plamé Hendrick, le Brésilien. Et c'est Hendrick qui va le porter 209 là en dans l'équipe Real Madrid dans la saison prochaine. Moi, tout dit nous ça. Et donc, Ancelotti va le gagner en pile travail dans Mel. Nous finissons parler de Real, qu'on a là, nous va parler de l'équipe FC Barcelone. C'est maintenant chose faite. C'est quasiment sûr, l'équipe FC Barcelone a continué avec Xavi Hernandez. Il n'y a pas de question que. Barcelone a voué Xavi aller. Il n'y a pas de jamais question de ça. C'est que Xavi et Hernandez qui étaient annoncés de parler. Pour plusieurs raisons, résultats ou pas au rendez-vous. Parce que l'Oré les Barcelone. Imaginez, l'Oré les Barcelone, 22 avril. Et quel est Classico? Classico a fait 21 avril, dimanche. 21 avril, saison Barcelone finie. Par contre, si nous voyons ça, saison Barcelone finie. Barcelone a fait salvé. Je vois mal Real Madrid pas fait 7 points dans reste match rete. Rete 6 matchs. Real Madrid et Barcelone met fait salvé. Li éliminé dans Ligue des Champions, l'éliminé dans coupe, li pas prend super coupe là Barcelone et Real champion sous lui. Ça veut dire que au soir de 21 avril là, saison Barcelone fini. Donc résultat yo il n'y a pas de standing FC Barcelone. C'est normal pour gagner, ils ont une satisfaction. Quand il y a là, Xavi a gagné un petit pardonnable. Parce que les arrières latéraux n'ont pas au niveau. Pour Barcelone, tu as acheté Xavi et pour acheter Cancelo définitivement. Parce que Cancelo, c'est sous forme de prélié. Faut que tu aies 40 à 50 millions à Manchester City. Qui Cancelo? Cancelo qui a joué Classico A? Qui Cancelo? Est-ce que c'est Cancelo qui a joué devant l'équipe Paris Saint-Germain?
Li clair sur le plan défensif, Cancelo gagne en pile faille. Li clair. Monsieur a besoin de deux arrières latéraux de haut niveau. Jules Koundé, son coup de main la baille comme latéral droit. Jules Koundé, pas le meilleur arrière droit au monde. Si nous allons dans le mi-temps terrain, Barcelone, Taremé, Bernardo Silva, problème, Paris Saint-Germain, de Bernardo Silva, tout. Et puis, Manchester City, Taremé, conservé Bernardo Silva. L'autre problème encore, Franky De Jong a out pour toute la saison. Hein? Donc, ça veut dire que l'année prochaine, nous pouvons acquis la date d'apparaître. Barcelone a besoin d'un demi-défensif devant la défense. Et puis Barcelone a besoin d'un ailier qui un ailier avec un pointe. Parce que Lewandowski pas fait mes bouches. Lewandowski pas fait mes bouches dans Barcelone. Ok, c'est vrai, les vinyles font saison, le fini meilleur buteur, mais deuxième saison, hein, son saison qui laissait à désirer. Lewandowski pas fait mes bouches. Donc Barcelone a besoin de pointe. Vitor Roque a gagné pas fait affaire parce qu'il va jamais mettre dans quoi. Et puis à gauche, Rafinha pas totalement by satisfaction. Joao Félix pas totalement by satisfaction tout. D'ailleurs, c'est Rafinha qui bat Joao Félix ban. C'est-à-dire que il va falloir tout reconstruire pendant que les caisses sont quasiment vides. Pas gain l'argent dans Barcelone. Alors même si pas gain l'argent, comment entrer, oui? Mais Barcelone non processus d'assainissement de finances tellement te gen mauvais contrat avec administration Bartomeu hein? Et nek qui vient après hein? Parce que Barcelone c'est pas même genre avec équipe anglaise yo. Je dis alors on ne sait jamais la vie. Non 15 20 ans encore on ka tellement gen l'argent m'acheter un club anglais. Même pas acheter Barcelone, pas acheter Real. Si on ba me connaît c'est que m'pas ka posséder Barcelone avec Real. Un monde pas qu'à posséder Barcelone. Barcelone, c'est, il fonctionne tant qu'on coopérative. Et que mettre Barcelone, ce sont les socios, c'est membio. Ils font l'élection normalement. Barcelone, son club politique, forfait, ça aurait les, dans l'élection, forfait campagne pour charmer socios, pour voter pour vous, pour capable présider Barcelone. Bartomeu fait contre Gagotli, bah mais si on contrat tête chargée. Baissoir est contrat tête chargée. Antoine Griezmann t'a touché 21 millions d'euros de salaire net dans Barcelone. Antoine Griezmann. Ça veut dire que le contrat était mal fait. Barcelone c'était l'équipe qui était le plus gros revenu. Hein? Mais le plus gros revenu, pas veut dire plus riche. Plus riche veut dire qui ça? C'est bien moins possédé. C'est l'argent que m'a fait. Mais je vais prendre un exemple dans ce pavot. Si m'a fait 200 000 gouttes le mois dans Caraïbes, bon exemple. Et puis Ted a fait 100 000 gouttes le mois dans Caraïbes. J'ai plus gros revenu que Ted. Mais ça pas veut dire que j'ai plus d'argent que Ted, non? Si l'aime fait 200 000 gouttes chaque mois, me dépenser 190 000 gouttes dans train de vie. Me serre 10 000 gouttes chaque mois. Et puis Ted dépenser 50 000 gouttes, il serre 50 000 gouttes. Ça qui passe là. Les années a fini, qu'est-ce qu'il y a plus sous carnet bancaire? C'est ça qui est arrivé à Barcelone. Barcelone était numéro 1 au niveau de revenu. Mais tellement Barcelone gaspillait l'argent, permettez-moi de thème, non? Faire des séries de contrats à droite, à gauche et acheter joueurs, on veut dire. D'ailleurs, il y a un gaspillage. Il y a 222 millions Neymar là. Son argent gaspillé. Oui? Coutinho, l'argent perdu. Dembélé, l'argent perdu. André Gomes, l'argent perdu. Et gaucher français, à Jérémy Kissassa. Rappelez-moi le nom. En bas live, là, nous va prêter bon nom. Pied gauche. Monsieur Tal joué. Son français que monsieur, malheureusement, je perds du nom, monsieur. L'argent gaspillé. Et gagné, par exemple, bon, Umtiti, c'est plus ou moins.